Salut à tous! Bon, c'est aujourd'hui pour un petit produit Paladone. Voilà, il y a longtemps que je n'avais plus testé. Si, j'avais testé la lampe Xbox. Et depuis 2-3 vidéos, vous avez dû voir d'ailleurs le petit truc Paladone qui était allumé là-haut. Alors, j'ai mis des petits Goldrake. Voilà, c'est ça, regardez. C'est une pièce. Question. Alors, j'étais un petit peu déçu parce que sur Amazon, il y a marqué prise USB. Il n'y a pas de prise USB. Donc, ça marchera qu'avec 3 piles AAA. Et en fait, c'est une petite veilleuse qui a 3 fonctions d'éclairage. Et il y a une fonction où elle s'allume la nuit, mais je vois pas trop l'intérêt. Voilà, parce que déjà les piles vont s'user vite, quand même, je pense. Mais regardez, là on a la loupiote. Ici, vous pouvez varier la lumière, alors du coup, je pense que vous voyez mal avec la caméra. Mais vous voyez, c'est le bloc question. Donc ça se positionne, vous l'accrochez au mur, vous la mettez sur un bureau. Premier clic, ça s'allume. Deuxième clic, plus fort. Troisième clic, maximum. Et vous avez une position veilleuse quand la nuit tombe. Ici. Activé, il fait jour et quand la nuit tombe, il y a un capteur dessus, ça s'allume. C'est magique. Moi j'aurais plutôt fait l'inverse, histoire que vous le mettiez dans un placard, par exemple, vous ouvrez et hop, ça s'allume. Là voilà, donc le principe c'est quand il fait jour, ça reste éteint. Vous le mettez, je sais pas, dans un couloir, votre salon, et quand l'obscurité commence à arriver, quoique dans un salon de la télé, vous voyez, le noir va se faire, le capteur dessus, ça va s'allumer. Et là c'est pareil. Vous pouvez régler 3 intensités, ça gardera en mémoire le dernier réglage. Donc voilà, un petit produit pas trop cher, hein, je crois que c'était 15 euros. Vous aurez le lien en description. Et je trouvais ça sympa, vous avez beaucoup de fans de Goodies sur Mario. Alors j'ai pas essayé de le scotcher, vous avez un petit crochet derrière. Voilà, sinon vous avez un petit double face. D'ailleurs vous voyez que j'ai pas revissé le cache-pile. Vous l'accrochez sur un mur, vous le posez comme moi, je le posais là-haut. Et puis ça vous fait une petite lumière déco, voilà. Regardez. Petite lumière déco, vous verrez de près, ça en sort beaucoup mieux. Voilà, encore un petit goodies, pas trop cher. Pour régaler votre intérieur et surtout bah, pour les fans de Mario. Alors par contre, il n'y a pas de bruit. Ça fait pas gling-gling, ça c'est dommage. Donc allez, on regarde ça de plus près. À de suite, les amis. Et voilà, regardez la petite lampe. Donc je vous disais, c'est un nouveau produit Paladone, mais j'ai pas encore vu de vidéo, même sur le site de Paladone. Voilà, vous avez 3 réglages de lumière. Le petit capteur nocturne. Là, on est sur le deuxième réglage, le troisième. Voilà, alors ça ressort mieux en vrai que sur la caméra, bien sûr. La boîte, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, voilà, juste un produit officiel Super Mario. Le problème de Paladone, c'est que des fois c'est bien, des fois pas bien. Et là, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a des petites marques sur le noir qui fait le carré autour. En haut, il y a une petite rayure sur le noir. En bas aussi, pourtant, c'est un produit neuf, voilà, qui est arrivé par Amazon il y a 2 jours. Donc, c'est pas toujours fini. Au moment où je fais la vidéo, ça coûtait 15 euros. Et là, je crois que c'est à 20 euros. Allez voir, les prix varient souvent. Vous avez le lien en description. Après, vous pouvez la scotcher au mur, il y a un double face, mais je vous conseille de faire un petit trou et de la fixer. Puis là, vous voyez, vous avez 3 luminosités et là, le mode nuit. Donc, vous mettez en mode nuit. Et après, quand il y a l'obscurité, donc je mets une carte SD parce que la lumière passe à travers mon doigt, ça s'allume. Voilà, vous voyez, le petit capteur est dessus. Hop, regardez, quand il fait nuit, jour, nuit, comme dans les visiteurs. Donc là c'est pareil, vous avez 3 réglages, ça gardera en mémoire le dernier réglage que vous avez fait. Voilà, regardez, la nuit tombe, hop, ça s'allume. Alors je suis désolé, ma caméra fait un défocus sur la lumière. Donc là regardez de plus près, on est en mode veille, la nuit tombe, et ça s'allume. Voilà, par contre je vois pas trop l'intérêt, parce que ça aurait été mieux qu'ils mettent ça de façon à ce que quand on rentre dans une pièce, ça s'éclaire. Vous voyez, l'interrupteur il est assez dur, donc si vous mettez ça avec le double face sur le mur et que vous voulez actionner l'interrupteur, vous allez le décrocher à chaque fois. Voilà, donc heureusement là vous voyez, vous avez le petit trou. Alors j'ai pas remis le cache-pile, vous voyez qu'il faut 3 piles AAA, mais ça aurait été mieux s'il y avait le câble USB. Moi je pense que c'est mieux comme ça pour décorer votre gaming room. Voilà, vous avez 3 intensités et après pour l'éteindre, vous appuyez sur le bouton. Voilà, donc dans l'autre sens, vous choisissez l'intensité, vous mettez en position jour-nuit, et là, dès que la nuit va arriver, hop, regardez, ça va s'allumer. Et dès que le jour arrive, ça s'éteint. Mais voilà, mais je sais pas combien de temps vont durer les piles sur les conventions, je vous dis, j'ai déjà eu des anciennes lumineuses, et les piles, ça durait même pas 8 heures. Donc écoutez, voilà pour ce petit gadget déco Paladone réservé aux fans de Mario. Allez voir d'ailleurs le live que j'ai fait hier sur Super Mario Galaxy. Super Mario Galaxy 2.
Et moi, ben ça, je vais le renvoyer parce que vous voyez, il est marqué avec une prise USB. Il n'y a pas de prise USB. Voilà, et je vais pas acheter 50 000 piles. Donc écoutez, comme d'habitude, vous avez le lien en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces petits goodies. Laissez un petit pouce si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!